Bienvenue à Afrique Émotion, c'est Kélia Mouzou du Togo, là pour nous engager dans les conversations qui comptent et qui créent le changement. Ma conversation aujourd'hui est avec Olivia de Souza, d'origine togolaise. Olivia est chef cuisinier et créatrice de la marque ODS, des épiceries fines made in Africa. Olivia, bienvenue à Afrique Émotion. Bonjour Kélia, merci de m'avoir invitée. Vous êtes la bienvenue, c'est un plaisir de vous avoir. Mais moi aussi, je suis contente enfin de pouvoir répondre à tes nombreuses questions. Écoute, on y va. Hein. J'ai vraiment voulu avoir cette conversation avec vous, Olivia, à cause de la beauté de votre histoire et des leçons que vous... Je sens que vous pourrez nous apprendre. Alors, vous avez très tôt décidé d'avoir des enfants avant de vous marier, parce que pour vous, c'est pas parce qu'on a un enfant avec quelqu'un que voilà, c'est l'homme de ta vie. Et donc, aujourd'hui, vous avez 4 enfants, dont le premier a 18 ans. Et durant votre parcours de mère, vous aviez connu des moments où vous vous étiez retrouvée mère célibataire. Pas qu'une fois, mais au moins 2 fois au cours de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces moments-là et surtout de comment vous avez vécu ces séparations-là? D'accord. Mais en fait, comme vous l'avez dit dès le départ, j'ai fait mes choix. Donc, j'ai choisi d'être mère avant tout. Mm-hmm. Donc, je savais de toutes les façons que j'allais vivre pas forcément dans un couple ou dans un foyer, vous voyez. Mm-hmm. Donc du coup, bon, c'est un peu un parcours un peu différent de beaucoup d'autres, mm-hmm. mais j'ai eu à rencontrer des femmes qui avaient fait ce type de choix comme moi. Okay. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est mm-hmm. quel que soit le choix qu'on fait, oui. Ben il faut l'assumer et c'est pas facile parce que c'est son choix. C'est mmh. pas parce que j'ai fait ce choix-là et qu'on me l'a pas imposé que mmh. forcément je vais m'en sortir mieux que quelqu'un qui l'avait pas fait ou quoi. Ça, je préfère le préciser aussi. Oui. Mais c'est sûr que quand on a fait son choix, mmh. du coup, on essaye de l'assumer. Et de l'assumer en se disant, de toute façon, tu avais pensé faire comme ça et mmh. tu fais exactement ce que tu prévoyais de faire. Mmh. Donc, bon, si ça ne te convient plus, voilà. Mmh. Donc, effectivement, j'ai eu mon premier, donc Hugo, je l'ai eu en 2001. Mmh. La séparation avec son père était un peu assez rapide. Mmh. Parce que je pense qu'à un moment donné de nos vies, et de sa vie en tout cas à lui, je ne correspondais peut-être plus à ce qu'il voulait, je mmh. pense. Et pourtant, lui, j'aurais pensé que ça aurait pu être l'homme avec qui j'aurais pu faire un bout de chemin. Mmh. Parce qu'on était à peu près sur la même longueur d'onde. On choisit pas un père au hasard non plus. Hein. C'est ça. Donc, c'est vrai, on choisit pas des pères au hasard. Donc, je me suis dit, c'est pas parce que c'est pas l'homme de ma vie que ça pouvait pas être un ami. On était amis. Mmh. Donc, du coup... je sais pas, vraiment jusqu'à aujourd'hui, je me suis pas vraiment posé la question de la séparation. Quand on s'est plus vu, on s'est plus appelé, il donnait des nouvelles quand il voulait. Je lui envoyais régulièrement des photos de l'enfant. Quand l'enfant a commencé à parler, je lui envoyais des voice. Donc bon, j'ai fait mon rôle de mère pour ne pas que mon enfant n'ait pas de lien avec son parent. Oui. Absent. Oui. Donc j'ai fait en sorte que il ait toujours des photos de son fils. Mm-hmm. Les rares fois où il appelait, qu'il puisse lui parler, je n'ai pas coupé les ponts. Donc, si tu veux, mon fils a toujours grandi avec un papa. Oh bien. Il connaît son père génétique, mm-hmm. il connaît son père naturel. Et son père, même une fois dans l'année, ne serait-ce qu'à son anniversaire, appelait quand même. Donc, ça fait que, on a fait notre petit bout de chemin comme ça. Moi, en tant que mère célibataire, comme c'était ta question, sincèrement, je pense que je suis tellement mieux seule. Donc, voilà quoi. Maintenant, je le dis pour l'époque. J'étais tellement mieux seule à l'époque. C'est ça. Aujourd'hui, on est dans une autre configuration, mais j'aurai l'occasion d'en parler. D'accord. Mais à cette époque-là, j'avais mon boulot, j'étais jeune, dynamique. Non, mais vraiment, parce que quand on est en couple,
Oui, on est en couple pour construire, on est en couple pour procréer, on est en couple pour. Pourquoi? Pour, voilà, pour le sexe, Oui. on est en couple pour différentes choses, Oui. tu vois? Donc, quand tu as sur cinq choses ou six choses, tu en as quatre ou cinq de comblées, Oui. sincèrement, après, les amis, j'en avais, le boulot, j'en avais, des gens à qui me confier, j'en avais. Financièrement, c'était compliqué, comme dans des couples même. Il y a des couples dans lesquels c'est très compliqué, même à deux. Effectivement. Donc, seul, ça pouvait être compliqué comme pas compliqué. Ça dépendait des moments parce que ça dépendait des achats, ça dépendait des situations de vie et des choses que j'avais à faire ou entreprendre. Donc, je pense pas que j'ai manqué plus d'argent que si j'étais en couple. Parce que après, j'ai été en couple et j'ai eu aussi des difficultés financières pires que quand j'étais seule. Hein. Ah, j'aime beaucoup ce point-là. Donc, c'est pour ça que je n'ai vraiment. Je ne pense pas que seul ou avec quelqu'un, la situation financière peut être. La situation financière dépend de des gens qu'on est soi-même, de qui on est et de notre rapport à l'argent. Donc, et on ne, c'est pas parce qu'on sera deux que ça sera mieux. C'est Ça, je préfère vous ça. le dire tout de suite. Waouh, j'adore ce C'est pas point. parce qu'on sera à deux que ça sera mieux. Oui. Parce que à deux dans un couple, c'est une chose. À deux dans une colocation, c'est une chose. À deux parce qu'on est avec sa mère ou son père ou son frère ou sa sœur, c'est une chose. Quelle que soit la situation dans laquelle on vit, les finances dépendent de qui on est et notre rapport à l'argent. C'est Et un des fois, point je tellement promets, beau que j'ai. vous faites. Oh, allez-y. Ouais, je dis et je te promets que des fois, j'étais même mieux seule et je gérais mieux mon argent seule. Donc ça dépend parce que tu peux être dans un couple et te dire et où il n'y a pas de relation d'argent, où chacun gère son argent, chacun fait ses choses. On n'a peut-être éventuellement que le loyer en commun et encore. Des fois, c'est l'un qui habite chez l'autre. Hein. Et donc, il considère que si tu habites chez lui ou chez elle, C'est eh ça. ben, c'est déjà un gros investissement qu'il fait. C'est ça. C'est ça. Donc, l'argent, c'est pas une fin en soi. Et ça ne définit pas une relation ou une situation de vie. Et Oui. souvent, malheureusement, on se trompe. C'est Et ça. moi, avec du recul, je peux me permettre aujourd'hui de vous dire que c'est pas parce que tu seras en. Si ton couple ne marche pas, ou si tu n'es pas heureuse en couple, ou si tu as des enfants, tu ne vas pas rester dans un couple où financièrement tu es lésée C'est ça. C'est ça. parce que tu as peur que seul, C'est ça ça. Tu pourras ira, pas le donc ça faire. fera mal. C'est ça. Si c'est pour l'argent seulement, C'est ça. ma chère, il vaut mieux partir, que ce soit l'homme ou la femme. Parce qu'il y a des femmes qui sont très dépensières, comme il y a des hommes qui sont très dépensiers ou radins, et vice-versa, tu vois. Donc ce n'est pas vraiment l'argent qui va faire que je vais rester dans un couple, ou que je vais partir d'un couple, ou que je vais penser que mon couple sera mieux si on gagne plus. Et tout ça, c'est aussi dans la main de Dieu. C'est Chacun a Amen. son karma, chacun a sa destinée, quoi. Oui, Et souvent, on se trompe. j'aime beaucoup votre approche parce que contrairement à dans nos cultures africaines, généralement quand il y a souvent séparation comme ça et il y a eu un enfant ou deux enfants ou trois, la séparation est beaucoup plus pénible et surtout sur le plan financier, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est comme souvent, la femme se dit, ah, je pourrais pas le faire. Et même des fois, même, on reste dans une situation où on est complètement lésé. Il y a même des fois de la violence physique, verbale. Mais on reste parce Ben qu'on se oui. dit, je pourrais pas y arriver. Et j'adore le point que vous soulevez sur le fait que ça dépend vraiment de votre relation à vous-même avec la notion de l'argent. Effectivement, une des Bien choses sûr. que nous voulons soulever Et ici à Afrique Émotion, merci beaucoup d'en parler. C'est vrai, on le dit comme ça, c'est pas facile de le comprendre automatiquement, mais bon, il faut qu'on commence ben déjà à oui. le dire. Oui. Il faut qu'on le commence. Kelly, on est. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai 47 ans. Je ne sais pas vous, je ne sais pas les auditeurs, mais moi, ma mère nous a élevés seuls après un divorce et elle s'en est très bien sortie.
Et aujourd'hui, vieillissant, je sais que mon frère s'occupe énormément d'elle, il gère son argent et tout. Et il me dit, Olivia, je ne sais pas comment elle a fait, mais ça va, elle peut vivre, elle a de quoi vivre, malgré qu'elle nous ait élevés, malgré que tout ça, et elle était seule. Wow. Et aujourd'hui, moi, je vis au Togo, et je peux te dire qu'au Togo, il y a énormément de mères célibataires. Oui. Wow. Il y a énormément de mères célibataires qui travaillent, qui ont des difficultés, mais comme des mères mariées. Mm-hmm. Et justement, quand on est assise entre mères célibataires, mères mariées et tout ça, les personnes qui ont même le plus de problèmes, ce sont les mères mariées. Ce sont les mères mariées. Mais oui. Parce qu'il y a tout le stress, parce que le mariage n'est pas forcément heureux, c'est pas positif. Voilà. Wow. Et donc, du coup, elles essaient de se rattraper sur l'argent. Donc, elles gagnent leur vie, mais elles réclament tout à l'homme et elles attendent tout de l'homme. Donc, elles font leur plan sur leur argent pour elles. C'est parce ça. Que l'homme ne va pas leur donner de quoi, elles, s'entretenir. Il va donner de quoi servir à la famille. Mais elles veulent aussi avoir pour elles. Alors que toi, quand tu es seule, tu connais ton budget. C'est ça. Donc, tu sais ce que tu peux ou pas faire avec ton budget. C'est ça, effectivement. Mais quand tu es à deux et que tu attends toujours que l'autre fait, que c'est ce soit l'homme ou la femme, ben à un moment, toi, tu ne connais pas le programme de l'autre. Exactement. Et cette dépendance-là peut devenir très dangereuse. Parce que souvent, on n'en parle pas vraiment, on ne s'assoit pas pour en parler vraiment. Donc, du coup, chacun compte sur l'autre et puis est très déçu quand l'autre lui dit « Non, je suis désolée, ce mois-ci, moi, je ne peux rien pour toi. Hein. » Ouais. Et la déception s'accumule, les frustrations. Alors que quand tu es seule, ton budget est très clair. C'est ça. Si tu as une rentrée de dehors du père ou de ta famille, tu sais ce que tu as. C'est ça. Donc, tu fais avec ce que tu as. Et quand tu es débordé ou quand tu n'as pas assez, toi-même, tu sais. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, je dirais, on est mieux seul. En tout cas, dans des situations autant financières que familiales, je préfère élever un enfant dans l'amour d'un seul parent, heureux, que dans un foyer malheureux. Oui, tout à fait. Je suis de la même philosophie. Et plusieurs, surtout dans notre culture africaine, se diraient, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Parce qu'on est encore dans cette optique-là que... vaut mieux rester dans la souffrance que d'essayer d'offrir quelque chose de plus beau aux enfants. Et justement, en parlant d'offrir quelque chose de plus beau aux enfants, vous avez, présentement, vous êtes en couple. Oui, vous avez vécu en tant que mère célibataire, mais présentement, vous êtes en couple depuis une dizaine d'années, si je ne me trompe. Tout à fait, je suis en couple depuis un peu moins de 10 ans, mais voilà, on atteint bientôt les 10 ans, Voilà. Et si je peux dire que c'est la première personne, le premier homme avec qui je vis le plus longtemps. il a quelque chose de spécial, cet homme-là. S'il a pu la regarder. Non, mais il a non seulement quelque chose de spécial parce que je pense que on a tous quelqu'un à soi. Oui, tout à fait. On dit souvent qu'on est venu seul, mais on a quelqu'un qui est là. On a quelqu'un qui forcément. Et ton jumeau, du moins. C'est la personne nous. Qui te va le mieux. C'est et ça. Ce monsieur, quand c'est je l'ai ça. Rencontré, c'est ça. Je vais te dire une chose. Ce monsieur, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, tu es la pièce manquante de mon pulse. Oh là là. Oui. Wow. Donc, tu comprends. Et on a tous un puzzle. Cette personne-là. Et dans notre vie est un puzzle. Et cette personne-là, ces enfants-là, il y a des enfants qu'on n'aura pas, qu'on n'a pas eu, mais qu'on devait avoir. Et des fois, ce sont même ces enfants-là qui nous manquent. C'est ça. Et qu'on pense que c'est un homme qui nous manque. Mais c'est peut-être ces enfants-là qu'on devait avoir, qu'on n'a pas eu, qui nous manquent. Et qui n'ont pas pu être à leur place dans le puzzle. Oui. Wow. On remet tout à l'homme. C'est ça. Mais c'est pas forcément l'homme. Non. C'est peut-être l'ami qu'on devait avoir. C'est peut-être le frère ou la sœur qu'on n'a pas eu. Effectivement, nous sommes très concentrés. Parce que l'homme qui accompagne ta vie et l'homme que moi j'ai dans ma vie aujourd'hui, je ne dis pas que c'est l'amour fou. Il y a eu l'amour fou, il y a eu l'amour passion, il y a eu l'amour posé. Et aujourd'hui, on est dans la sécurité. On sait qu'on a besoin l'un de l'autre. Oui. On a fait sans l'autre.
Oui. On a fait avec l'autre. On a fait à moitié. Et puis finalement, aujourd'hui, on a su régler nos vies pour que l'autre puisse être là quand il doit être là. Oh, wow. Ça, c'est... Je prie vraiment que plusieurs personnes qui sont, comme je l'appelle, sur le chemin de la guérison, hein, écoute ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est un message d'espoir, c'est un message de positivité, de possibilité. Bien sûr. Et c'est pour cela... Et c'est parce que souvent, on n'est pas prêt. La personne qui est en guérison, c'est qu'elle n'est pas prête. Elle s'est laissé imposer une situation. C'est ça. Mais à un moment donné, il faut qu'elle dise, mais attends. OK, il ne m'aime plus, je ne vais pas le forcer. Elle ne m'aime plus, je ne vais pas la forcer. C'est ça. Oui, c'est facile à dire. Bon, maintenant, s'il y a des enfants... Il faut leur donner de l'amour. Ils vont dire, bon, maman ou papa, quand elle était mariée, elle souffrait, elle était triste. Maintenant, elle n'est plus mariée, elle souffre encore. C'est quoi? Tu vois? Donc, il faut qu'on prenne des décisions. Et c'est pour ça que ce que vous faites aujourd'hui, cette émission est la bienvenue dans nos vies aujourd'hui, dans la mesure où on va entendre effectivement les expériences des autres, on va entendre ce que les autres ont pu faire. Ouais. Et on doute souvent, on ne peut pas faire copier-coller, mais on va être influencé positivement. Effectivement. On ne peut pas être influencé négativement. Effectivement. Dans un échange d'expérience, dans un échange comme on l'a avec vous, on ne peut pas être influencé négativement. Parce que celui qui a vécu une mauvaise expérience va le dire. Pourquoi tu vas aller prendre la mauvaise expérience de quelqu'un pour faire pour toi? Tu ne vas retirer que le meilleur de cette expérience-là. C'est ça. Wow. Et le fait qu'on te l'ait dit, tu vas te dire, ah, mais c'est ce que je vis en ce moment. Hein. Mais le courage, la force de dire non. Waouh, vraiment de très bons points que vous avez soulevés, Olivia. Merci pour toute cette sagesse, toutes ces bonnes choses que vous nous avez apprises, que vous nous apprenez durant cette conversation. Beaucoup de choses que nous avons besoin d'écouter et d'entendre, surtout dans notre culture africaine, où nous sommes encore un peu coincés sur certaines choses, nous avons mal pour certaines choses qui, peut-être, nous pourrons aborder autrement. Alors, parlons justement de notre culture, notre culture dans laquelle nous jugeons, nous permettons vraiment de parler les uns des autres de façon négative, de façon destructive. Vous aviez... Très tôt dans votre vie, durant tout ce parcours de mère où vous avez eu des enfants avec des pères différents, vous avez choisi très tôt de mettre vraiment à l'écart les gens qui jugeraient, les gens qui critiqueraient, les gens qui auraient je sais pas quoi de négatif à dire. Et ça vous a vraiment aidé à rester concentré sur la création de cette vie-là que vous décriviez plus tôt. Et comment êtes-vous arrivé à faire ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Parce que c'est quelque chose que nous souffrons beaucoup de ça en Afrique, parce qu'en plus du fait que souvent les mamans ou même les papas célibataires à qui je parle, ils sont seuls déjà dans leur peine, dans leur difficulté, dans leur essai de guérir. Mais en plus de ça, il y a la famille, il y a les amis, il y a les voisins, il y a la vendeuse de Kmonovi là, qui se permet de t'insulter. Comment vous êtes arrivé à créer, à faire face à ça, à dire non, vous n'avez pas le droit, je dis non. Je pense que vous pouvez nous apprendre des choses. tout à fait. Ben, du moins, apprendre non, mais en tout cas, vous dire comment moi j'ai fait. OK. Quand la vendeuse de Ponovi, tes parents et tout ça savent tout ce que tu vis et justement te jugent, ben, c'est parce que toi-même, tu le leur as dit. C'est ça, c'est vrai. Ou ta femme ou tes enfants, en tout cas quelqu'un qui est chez toi, leur a dit ah mais voilà, nous t'es les jolies fous nous. Et puis nous les femmes, surtout les femmes, on est fortes pour aller s'asseoir chez les gens, parler de chez nous. C'est ça. C'est nous-mêmes qui tendons le bâton pour qu'on nous batte avec. C'est ça. Moi j'étais tout le temps en train de parler négativement de mon couple dehors. Et pourtant je ne vivais pas forcément la moitié de ce que je disais, mais c'était, quand je dis négativement, c'est, il y avait toujours mais, quelque chose qui n'allait pas. Alors que ça se passait bien, mais les autres se permettaient de juger. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, mais celle-là, elle n'a rien, elle n'a aucun problème. Elle n'a aucun problème parce que mes problèmes étaient rien à côté des leurs, que eux ne me racontaient pas.
C'est ça. Et donc, en fait, ça suscite de la jalousie et de la frustration et de l'énervement parce qu'ils se disent, mais attends, cette dame-là, elle a un beau mari, elle a des enfants, elle vient d'arriver au Togo, elle a rencontré un homme, elle a ceci, elle a cela, et elle est tout le temps en train de se plaindre. Et des plaintes qui, elle, n'entendait pas. Genre, c'est voilà, fou. Ma voiture est abîmée. Ce matin, il est peut-être sorti trop tôt. Bon, tu vois, toutes des petites choses, qui n'étaient rien à côté de ce que les autres vivaient. Tu comprends? Et c'est nous-mêmes qui donnons la perche aux gens pour nous juger et pour nos trucs. En ce qui concerne les parents, quand on a eu des parents très proches et des parents qui n'ont pas divorcé, des parents qui étaient ensemble tout le temps, est-ce qu'on s'est déjà même posé avec notre mère pour demander à notre mère, mais comment tu as fait? Comment tu as vécu ta vie de mère? Quand on demande à nos mamans ou à nos papas, moi je sais que j'ai un papa qui vit seul aujourd'hui malgré qu'il a eu deux femmes, ma mère et une autre, mais mon père aujourd'hui vit seul et ma mère avec qui il a divorcé depuis plus de 20 ans, il s'appelle quasiment tous les jours et ma belle-mère fait des va-et-vient entre chez elle et chez mon père parce que c'est leur choix. C'est ça. Parce que je sais qu'il ne s'est pas séparé de ma mère parce qu'il ne l'aimait plus ou que ma mère ne s'est pas séparée de lui parce qu'elle ne l'aimait plus, mais parce qu'il y avait une situation à un moment donné. Mais ce sont des gens qui s'aimaient encore. Donc c'est le modèle que j'ai eu. Voilà. Et donc ce modèle-là, je me suis dit, mais attends, moi mes parents sont séparés depuis 15, 10 ans, 20 ans, ils s'appellent tous les jours. Donc c'est que l'amour, de toutes les façons, quelle que soit ta position, ta situation, si l'amour est là, l'amour est toujours là. C'est ça, effectivement. Tu vois? Et que même peut-être que la personne qui était dans l'ombre de ma mère, elle aussi, elle a peut-être été frustrée ou malheureuse pendant un certain temps parce qu'elle se disait, mais même le divorce, là, n'a rien changé. Mon mari est toujours pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Elle va te dire, mais même il a divorcé avec sa femme, c'est peut-être même pas ce qu'elle voulait. Elle voulait peut-être pas que mon père divorce de ma mère, mais ma mère, elle est partie. Tu comprends? Donc, la situation dans laquelle elle est, elle va se dire, mais même divorcée, je souffre toujours autant, ou j'ai toujours aussi mal, ou il se comporte toujours comme ça avec moi. Tu comprends ce que je dis? Tout ça pour te dire que les gens, on n'est jamais content de ce qu'on a. La frustration qu'on vit, quand on en parle, eh ben c'est cette frustration-là qu'on nous ramène dans nos critiques. C'est ça, effectivement. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je me suis dit, sois une personne égale à toi-même. Ça veut dire que assume ce que tu fais et tu dis, et occupe-toi au maximum de tes affaires. C'est ça. Et considère que tu n'as ton meilleur ami, c'est toi-même. C'est vrai. Ça, c'est ton vrai. Meilleur ami, c'est ton enfant. Voilà, toi, ton enfant. C'est ça. Tout le reste là. Même ton conjoint ou ta conjointe, il y a des choses bien sûr que tu vas partager avec eux. Mais il y a des choses, mieux vaut garder. Il faut toujours garder son jardin secret. J'aime ce conseil. Il faut toujours garder son jardin secret. Parce que ton jardin secret, c'est toi. Toi, tu es ton être. Tu es toi. Oui. Tu es ton Dieu. Tu es toi. Donc, tu sais ce qui te blesse, tu sais ce que tu n'aimes pas. Et souvent, quand on ne s'aime pas, eh ben, c'est souvent comme ça qu'on on tend la perche aux autres pour se battre. Mais du jour où tu as commencé à t'aimer, à te respecter, et à te dire, mais attends, pourquoi je suis toujours dans des situations bizarres? Pourquoi c'est toujours moi qu'on critique? Pourquoi c'est toujours moi? Mais oui, à un moment donné, il faut se poser la question. Il faut se poser des questions, effectivement. Mais oui, il faut arrêter de dire que c'est les autres. C'est ça. Il faut se dire, mais pourquoi c'est toujours moi qui a ces problèmes-là? Mais parce que c'est toujours toi qui va parler de tes problèmes. C'est ça. C'est toujours toi qui va demander 100 000 francs, 50 000 francs, 20 000 francs à quelqu'un. C'est ça. Et il va te dire, mais toi aussi, depuis là, tu travailles, ou bien ton papa, là, hein, il a plein de maisons comme ça, et puis c'est toujours aux autres que tu viens demander. Comme nous approchons la fin de notre conversation ici, une très belle conversation, Olivia, merci beaucoup. Un dernier mot pour ces parents qui sont
comme je le disais tout à l'heure, toujours sur le chemin de la guérison, c'est-à-dire peut-être la séparation s'est faite il n'y a pas très longtemps, mais il y a toujours de la peine, de la frustration, des fois même peut-être de la haine. Un dernier mot pour ses parents, pour les aider à, dans leur chemin vers cette liberté-là dont nous avons parlé plus tôt, cette liberté, cet amour de soi, cette meilleure relation avec soi qui inévitablement crée une meilleure qualité de vie. Juste un dernier mot pour eux. Mais moi, tout ce que je pourrais leur dire, c'est de se remettre en question déjà. Oui, oui. De se dire pourquoi je souffre autant. Pourquoi, qu'est-ce qui m'emmène à souffrir autant. Et donc de se poser les bonnes questions. Oui. Je souffre parce que j'ai envie de souffrir. Parce que la personne en face est partie. Elle est peut-être en train de recommencer sa vie. Elle a fait le choix de quelqu'un d'autre. Qui je suis moi-même. Pourquoi son choix ne s'est pas porté sur moi. Donc, je me dis qu'à un moment donné, il faut aussi prendre le taureau par les cornes. Hein, c'est ça. Et se dire, c'est bon, ça. Si je continue à me lamenter, mais je vais me lamenter toute ma vie. Toute ma vie, effectivement. Parce que la personne est partie. C'est ça. Tu n'es pas morte. Non. Ta vie continue. Oui. Et les enfants sont là. Les enfants sont là. Ils ont besoin de toi. Moi, comme je dis, des fois, souvent, j'éteins mon portable. Hein. Oui. J'éteins mon portable parce que je dis, mes priorités sont autour de moi. Absolument. Mon mari est là, mes enfants sont là, tout le reste, j'en ai rien à foutre. Absolument. Merci beaucoup, Olivia. Une conversation vraiment édifiante. Prendre le taureau par les cornes, se dire la vérité, se remettre en question, se voir devant le miroir et se dire, mais pourquoi est-ce que je souffre autant? Cette émission, elle est primordialement d'abord pour engager la conversation par rapport à la réalité d'être un parent célibataire, un peu plus spécifiquement dans une culture africaine. Si vous êtes en train de vivre un moment difficile en ce moment parce que vous n'êtes pas encore arrivé à un point de paix avec le fait que vous êtes parent célibataire, retournez un peu en arrière, appuyez le bouton « on retourne » et on écoute Olivia qui nous rappelle « regarde-toi dans le miroir et pose-toi la question pour pourquoi je souffre autant ? Accepter la réalité telle qu'elle est et se donner la permission de s'aimer pour recommencer sa vie. Olivia de Souza, merci beaucoup. Une très belle soirée chez vous. Restez connectés. Merci. Afrique Émotion. Envoyez-moi vos pensées et questions sur kiliamouzou.com. Je lirai autant de questions et de vos messages que possible durant le live du mois. Olivia, merci encore une fois. Belle soirée.